Je vais rapper mes deux prochaines questions ensemble parce que je pense que vous y avez comme un peu répondu. Je m'excuse pour tous les anglicismes. Une écrivaine qui fait des anglicismes, c'est super. Dans la mesure où on n'a pas besoin de rapper nos réponses avant. Donc, je pense que vous avez répondu à la question qui est-ce que vos postures d'écrivain d'essayiste, alors je cherche mes mots, a été modifié par l'actualité. En ce moment, je pense que vous y avez répondu. Les trois gars, tels des guerriers de l'écriture, ont monté au combat. Vous avez un petit peu senti couper la parole. Je peux comprendre aussi ton retrait, parce que moi aussi, j'écris un roman, je suis incapable de l'écrire en ce moment. Je m'excuse, Max. C'est assez difficile de prendre la parole sur quelque chose qui se passe à l'extérieur d'une crise quand on est en train de vivre ça. Malheureusement, parce qu'en plus, ça porte sur le Canada, fait que ce serait super intéressant d'écrire sur C38 en même temps, mais bon. Fait que je vais en venir à la question suivante, qui revient un peu au même dans le fond, mais est-ce que vous êtes capable de travailler sur des projets de longue haleine dans le contexte actuel? Je pense qu'Isabelle s'y a répondu un peu, mais vous autres, êtes-vous capable de faire d'autres choses que des articles? Non. Bon, OK. Moi aussi, j'avais un roman en cours avant le début du conflit, et je pense que j'ai peut-être écrit 4 lignes depuis 4 mois sur ce roman-là. Le travail romanesque, le projet à long terme, de toute façon, que ce soit un essai ou un roman, a besoin d'un retrait du monde, forcément. Parce qu'il faut vivre accompagné par ses personnages ou ses idées, par son récit, par son ambiance, par sa structure. Il faut s'imprégner complètement d'un projet à longue haleine, puis le faire avec une discipline monocale. Ce qui est parfaitement incompatible avec, d'une part, les injures qu'on reçoit chaque jour, la nécessité de manifester et de se manifester régulièrement pour ne pas se faire balayer dans les coulisses de l'histoire, et aussi l'urgence, la simple urgence de ne pas se faire manipuler continuer à vivre pendant les prochaines années une situation catastrophique qui nous amène directement dans un cul-de-sac. Donc, l'écriture du long terme demande ce retrait du monde qui n'est... Je pourrais le faire si je sentais qu'un roman, présentement, serait plus important que des entrées de blog ou des chroniques. Peut-être que je le ferais. Mais le roman est sur le long terme aussi dans la lecture. Le roman que je continuerai à m'emmener pendant les vacances, puis plus tard, ce roman-là sera nourri, même si c'est pas le sujet, puis il se passe pas à Montréal en 2012, ce roman-là sera nourri de la colère, de l'indignation, de l'espoir, de la grande hypocrisie des pouvoirs, de la grande manipulation. Il sera nourri de tout ça, mais il se fera sur un temps long qui donnera au lecteur aussi la possibilité de le digérer sur un temps long. Ce sont deux types complètement différents d'écriture, et l'un ne va pas sans l'autre. Un ne peut pas se faire avec l'autre quand on est dans une situation aussi pressante, aussi urgente, aussi désespérée. Bien, rapidement, je suis d'accord avec ce que vient de dire. Moi aussi, j'ai un projet parallèle mineur en cours, ça s'appelle ma thèse. Puis, mon directeur n'est pas trop content de moi par les temps qui courent. Heureusement, il comprend. Mais ça se fait naturellement. Je me sens même pas coupable de ne pas travailler sur ma thèse par les temps qui courent. Bien, je me sens un peu coupable quand je reçois les comptes, là, puis que mon endettement a remonté. Mais je suis allé chercher des gens qui prêtent de l'argent n'importe qui. Donc, tout ça pour dire, je me sens même pas coupable. L'urgence, c'était vraiment de parler de cette crise-là. Et puis, c'est épidermique, comme je vous ai dit. Il faut réagir quand on lit chaque matin des calomnies comme celle-là et qu'on a participé, justement, on était de l'autre côté des barricades, si je peux utiliser l'expression, et on voit les mensonges qui sont divulgués jour après jour sur nous-mêmes. Donc, il faut réagir, puis
c'est plus fort que moi, je laisse la thèse de côté, évidemment. Mais pour élargir un petit peu, on emploie le terme écrivain, par exemple. Moi, je me considère pas écrivain, je me considère même pas intellectuel, je me considère pas grand-chose, finalement. Juste pour ça, c'est moi qui considère ça. Mais je segmente pas les différentes parties de ma vie. L'enseignant, l'étudiant, le travailleur, le militant, l'intellectuel, l'écrivain, c'est toute la même personne. Et puis, j'ai pas mis une partie de moi de l'avant pour en cacher une autre pendant un certain temps ou quoi que ce soit. C'est la nécessité d'écrire, pour moi, c'était de dénoncer les mensonges qui nous sont présentés chaque jour. Puis ma thèse, c'est exactement la même chose, sauf en 500 pages au lieu d'être en 2 pages. Puis effectivement, ça va alimenter ma thèse. Puis je pense que les recherches que j'ai faites pour mes trucs académiques, ça m'aide aussi dans mon écriture. C'est tout ça va ensemble, finalement. Puis je sépare aucunement. Tu sais, que ça serait comme de me séparer moi-même. Pour utiliser une image un peu brutale par les temps qu'il faut. Pour ma part, j'ai l'impression que je me sens dans un état de plafonnement ou en tout cas comme si j'étais suspendu au bout de quelque chose, mais je pense que cet état-là, il est redevable à deux choses. D'abord, à un pouvoir qui a décidé que la direction que la société allait prendre ne pouvait plus être mise en discussion. C'est-à-dire que non seulement il y a une direction qui est déterminée d'avance, qui est le capital, les deux mains sur le volant et l'économie d'abord et ce genre de foutaise, et ensuite qu'on ne puisse pas mettre ça en débat et que toute personne qui ose le mettre en débat est nécessairement un terroriste et un apologue de l'intifada. Bon, donc. Il y a cet enfermement, déjà cette dépolitisation de la société qui fait que prendre la parole par les temps qui courent, d'une part, c'est rendu légalement dangereux, mais ça ne nous arrête pas, mais en même temps, c'est à partir d'un climat général où dire devient assez difficile parce qu'on nous rabâche partout que parler, ça ne sert à rien parce que ce qu'il faut faire, on le sait déjà, c'est continuer à produire. Donc ça, c'est assez clair. Il y a un enfermement qui n'est pas très susceptible à encourager le foisonnement de la parole, sinon par résistance. Donc c'est ce qui fait qu'on écrit quand même, comme le personnage de Winston Smith dans 1984, on écrit quand même pour ne pas devenir fou, bien sûr, mais aussi parce que c'est une des dernières façons de résister qui reste que d'opposer ces fausses constructions-là, d'autres visions de la vérité. Mais l'autre plafonnement, il vient du fait, ça c'est un étudiant qui l'a très bien dit, il n'y a jamais personne qui a fait ça, donc... Là où on est rendu, c'est facile, dans les 4 premières semaines de grève, ils nous appelaient et on leur disait « Bon, ben là, t'es rendu à la semaine 4, la semaine prochaine, ils vont te sortir l'histoire de la violence, puis du bureau du tabassage de bureau de Beauchamp, puis la semaine 7, ça va être... ils vont bonifier leur FE, puis ils vont... » On avait le scénario en tête de 2005, mais là, on a défoncé le mur du son, on est passé de l'autre côté du miroir, et là, on navigue à la corne de brume, parce que personne sait qu'est-ce qu'il y a après. Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives devant, d'ailleurs, un pouvoir qui est même plus le pouvoir social-démocrate de l'époque où tu brasses un peu le sapin, puis bon, il te donne des bonbons, toi. Mais là, maintenant, tu fais la plus grande grève historique de l'histoire, puis à la fin, tu n'as que le mépris, puis l'impasse. En tout cas, dans l'immédiat, bien sûr. Alors, le danger, évidemment, c'est d'en rester dans l'immédiat, puis de dire, bon, ben, on a résisté, puis ça donne rien, puis il faut absolument pas faire ça, parce qu'on le dit un peu depuis tantôt... il va y avoir quelque chose, comme a dit Jean, je pense, qui va sortir de ça, qui va instituer puis fonder. Il y a déjà 2-3 générations politiques qui, depuis le début de l'altermondialisme et autre chose. Bref. Donc, ça travaille en sous-main, ça creuse des galeries. Mais c'est très difficile actuellement pour quelqu'un comme moi qui essaie toujours de voir l'étape suivante des choses. Toi, notre livre, nous, on l'écrit à l'automne avant la grève, parce qu'on sait, bon, c'était pas difficile, ça prenait pas d'être à Papineau pour savoir qu'elle allait avoir la grève, mais on s'est dit quand même, il faudrait écrire quelque chose en prévision d'eux. Donc, voulant toujours être un peu comme le type en avant de la pop de curling qui balaye pour qu'elle avance plus vite, je me dis, bon, ben, il faut quand même essayer de prendre des mots qui vont accélérer le machin. Et là, c'est difficile parce que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire, et c'est dur de faire bouillir les marmites de l'histoire, comme disait Marx, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Dans les intuitions qui me permettent encore d'écrire, je pense qu'il y a quelque chose comme l'idée qu'on doit recommencer à faire ce qu'on fait plus depuis longtemps, sortir, parler, convaincre, comme disait le Parti québécois en 76, c'est-à-dire bypasser la médiation des médias de masse et aller redonner aux Québécois et aux Québécoises le goût d'eux-mêmes, et puis leur faire connaître leur jeunesse par-delà les portraits diaboliques qu'on en fait. Donc, je pense que l'idée, par exemple, de
de ramener sur la table des idées comme le socialisme, l'indépendance des années 60, puis d'en faire un programme d'éducation populaire. Moi, c'est des choses qui m'apparaissent porteuses. Mais à part de ça, je me sens démuni parce que j'arrive pas à... Bon, de part à faire quelque chose, même un article, s'il faut se botter derrière incroyablement pour arriver à faire quelque chose dont j'ai pas l'impression qu'il est répétitif, mais c'est surtout que j'avais envie de trouver la chose qu'il faut faire, et je suis bien en mal de dire que on est un peu suspendu à ce moment de pause imposée, cette impose qu'on nous impose, qui est imposée par Charest, la loi 78, la loi barbare. Alors là, on est suspendu au-dessus de nous-mêmes, pour l'été au complet peut-être pas, on sait pas. Alors c'est dur d'avoir du recul et même de l'avance dans un truc où nous-mêmes avons été d'abord, je pense, beaucoup surpris par le mouvement, même si on le connaît peut-être mieux que beaucoup de monde pour y avoir les deux mains dedans. Malgré tout, c'est un mouvement qui est une grande créativité et qui est très surprenant. Mais là, c'est ça, on arrive à la criée du salut, puis on sait pas, on n'a pas grand-chose d'autre à offrir qu'un questionnement. Juste rajouter quelques mots. En fait, c'est pour revenir, étant donné que pour moi, un travail de longue haleine, c'est en fiction. Un petit peu pour revenir à ce que disait Jean, je pense qu'on écrit sur ce qui nous obsède. Je ne me vois pas écrire un roman sans que l'univers de ce roman, les personnages, soient réellement présents, qu'ils m'habitent, qu'ils m'étouffent. Donc, comment arriver à travailler sur un quelconque travail de longue haleine en fiction, alors que régulièrement, tous les jours, même si on est vraiment dans l'actualité deux fois, trois fois par jour, on peut nous rendre fous avec ce qui est dit. Donc, l'obsession devient malheureusement d'agir, de répondre, de trouver des moyens de se sortir de cette situation. Mais en même temps, ce qui était drôle aussi autour de moi, je voyais les personnes qui ont les travaux de longue haleine, que ce soit en fiction ou les thèses, etc. C'est qu'au début, on se plaignait. Ben là, c'est pas possible, ça fait un mois que j'ai pas écrit. Mais en même temps, c'était facile à faire comme sacrifice parce que, en tout cas, moi, je me disais que ça allait pas durer tant que ça. Et là, je suis en train vraiment, au lieu de me dire, je vais avoir perdu un mois, deux mois, trois mois de mes travaux, mais c'est pas du tout une perte, évidemment, ce qui se passe pour le Québec. Je pense qu'on peut aller plus loin. Mais maintenant, je me dis, j'arrive plus à voir un horizon temporel. Je me dis, peut-être ça va prendre un an, deux ans. Et est-ce que finalement, je vais écrire sur la guerre d'Espagne quand j'aurai passé tout ça? Ça va être peut-être la guerre de Montréal. Ça va être... il y aurait certainement beaucoup de terrorisme, à mon avis. Pour enchérir sur la question, parce que c'est une question super importante, on a passé peut-être à côté de quelque chose, c'est que il y a un piège aussi, c'est de tomber dans ce flot-là d'informations, puis de toujours être à la remorque, puis de toujours... Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Oui. Non, je suis contente que tu reviennes là-dessus, en fait. Oui, c'est ça, parce que je me suis posé la question, comme j'écris sur un blog, comme toi, ben c'est fait pour ça un blog, c'est fait pour réagir à chaud, mais justement, faut prendre aussi le temps de prendre une certaine distance, affiner nos concepts, à pas faire comme nos ennemis finalement, pas juste faire de l'idéologie en série, puis de l'information en série, puis réagir comme, premièrement, on peut pas physiquement, c'est impossible de combattre. Le terme réussite et Martino dans la même ligne. C'est justement ce piège-là dans lequel il ne faut pas tomber, de toujours essayer d'avoir une opinion finalement. En fait, de ne pas toujours avoir une opinion, ça peut être très intéressant de juste se poser des questions. Et puis, c'est pour ça qu'il faut se permettre aussi, je pense, précisément de se poser des questions et de ne pas toujours vouloir donner des réponses aux gens. De juste dire, de se poser la question, qu'est-ce qui se passe présentement avec ce délire autour de mise en demeure? Ça peut être une très bonne question à développer dans un article, même si on n'a pas nécessairement la réponse. C'est un piège aussi, il faut faire attention. Mais c'est le jeu du pouvoir aussi, qui est de nous maintenir en haleine. On devient un petit peu des marionnettes qui réagissons à chaque niaiserie qui est dite. Parce que ce qui est difficile là-dedans, c'est pas tant d'avoir à réfléchir sur ce qui est dit, mais c'est qu'on nous force à parler de niaiserie. Des choses qui sont vides, c'est un cirque complet. Et moi, c'est ça qui me coupe la parole, c'est parce que ce qui me vient, c'est pas très songé. C'est vraiment en réaction à ces bêtises-là. Ouais.
Ce qu'on peut faire, par contre, si on prend quelques jours, le piège, c'est d'écrire à tous les jours ou 3, 4, 5 fois par jour, comme certains le font de l'autre côté. En prenant quelques jours, ne serait-ce que quelques jours pour réfléchir, on peut réussir quand même à rejoindre les pointillés à certains moments et à donner un portrait qui évite de focaliser sur le détail absurde, criminel, bête, indignant qu'on veut nous mettre en pleine face, et puis de dresser la carte du ciel de ce qui nous est destiné, de ce qui essaie de nous faire passer. Et ça, ça prend pas nécessairement trois mois de réflexion, ça prend quelques jours. Admettre la nouvelle, la petite nouvelle indignante, l'admettre, la réfléchir, la digérer, puis essayer de la mettre à son endroit propre, dans la stratégie. Ce que disait Eric tout à l'heure, c'est qu'on sait vrai qu'on navigue, dans la corde de brume maintenant, présentement, on ne sait pas où on va. Mais par contre, on sait qu'eux autres aussi ont de la difficulté à voir où ils s'en vont. Et leur stratégie, eux autres, les libéraux en particulier, élaborent une stratégie dont c'est un peu notre devoir d'essayer de prévoir quelle sera-t-elle, puisque on devra s'y opposer. Parce que là, on parle en tant, évidemment, pas en tant que journaliste d'actualité, mais en tant que chroniqueur engagé. Hein? Et donc, il s'agit de prévoir ce qui nous est destiné pour essayer d'y faire face de la manière la plus intelligente possible. Et donc, ça prend quelques jours de réflexion. L'idée, c'est de ne pas gueuler à tous les jours, mais de prendre le temps d'essayer d'y voir clair, un peu. Et une des choses fondamentales, on ne sait pas exactement quelle est la stratégie du pouvoir, disons, au jour le jour, et qu'est-ce qu'ils vont faire demain matin, mais sur le fond, on sait très bien c'est quoi leur stratégie. Ce qu'Isabelle disait, c'est qu'ils réduisent tout le débat à une foire d'empoigne et un rapport de force, où le pendant antinomique de la critique fait exactement par un renversement mimétique ce qu'eux, ils font. C'est-à-dire qu'eux, ils attaquent, les gens se défendent, et droit contre droit, c'est la force qui tranche, comme disait Marx. Et dans ça, ce qui est interdit, dans ce rapport de force, qui est interdit de réfléchir du point de vue symbolique et politique à ce qui est en train d'arriver, dans la mesure où ça supposerait de sous-peser ou de jauger les actions du pouvoir à l'aune de quelque chose comme le passé, dont on sait que Simone Veil disait que c'est le trésor le plus précieux des peuples. Alors, mettons, l'université, le vrai questionnement, ce serait qu'est-ce qu'on est en train de faire avec l'université? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'histoire de l'université? Ça, c'est une discussion qui est impossible, puis qui n'a jamais eu lieu. J'en parlais hier avec une amie, j'étais à Rimouski hier, j'en parlais avec quelqu'un, elle dit « Non, je m'excuse, hein, j'ai entendu une émission de radio l'autre jour où quelqu'un en parlait. » Je dis « Oui, c'était moi. » Non, mais pour dire que si on se bat pas pour amener ce questionnement humaniste, par exemple, où le débat va toujours tourner autour de « Bon, ben, ils sont des carrés rouges, crackpots, terroristes, ayatollahs, islamo-marxistes, d'un côté, l'autre... » Je pense qu'il aime l'islamo-marxisme. Donc, d'un côté, t'as justement, bon, ils sont des islamo-marxistes, d'autre part, c'est, ils nous tapent dessus, bon, puis pendant ce temps-là, ça fait tout à fait le jeu du pouvoir, parce que ça interdit de poser la question du sens. Et c'est celle-là qui rend aussi le fait d'écrire impossible, c'est tout ça parce qu'on est dans le tapochage. Les injonctions, le droit des gens à étudier, la personne qui va m'empêcher d'aller à mes cours n'est pas encore née. Tu sais, ce genre de machin où c'est finalement la force qui parle. Alors, je pense que le grand défi pour nous, c'est de réinscrire ce qui nous arrive dans une trame symbolique de fond. Mais ça veut dire se battre pour se réenraciner contre le déracinement qui, même nous pousse par la colère des fois à juste vouloir répliquer du tac au tac, qui nous empêche de faire le geste de recul qui nous permettrait de nous réenraciner.